Alors, bonjour à tous. J'ai eu le temps de faire cette vidéo bilan parce que du coup, mon emploi du temps a changé et je finis à 22h donc j'ai le temps. Puis là, du coup, mes loulous ils sont en train de dormir. Julien fait sa sieste et Marie est un peu malade, du coup, elle fait une sieste aussi. Donc, j'ai enfin le temps de vous faire cette vidéo bilan du 7e mois. Donc, pour commencer, la famille, niveau relationnel, ça se passe super bien. Il n'y a pas, enfin, y a pas de soucis. Après, je les vois vraiment beaucoup moins depuis que je suis avec Brian. Parce que du coup, bah, le soir après avoir fini le taf, bah, voilà, je vais voir Brian. Donc ouais, je les vois quand même. Enfin, je vois quand même Michel beaucoup moins, mais bon, ça n'a pas trop l'air de les déranger, donc heureusement. Donc, niveau famille, relationnel, ça va bien. Après, il y a toujours les petits retards, des fois, qui sont un peu agaçants, parce que quand moi je vais voir Brian, il y a souvent des bouchons pour aller chez lui, donc bah je perds du temps, sachant que j'ai mon couvre-feu de minuit, donc voilà. Mais après voilà, enfin je dis rien parce que voilà, je pense que il y en a qui sont plus à plaindre que moi, hein. Donc voilà, donc non, niveau famille c'est toujours pareil. On va fêter Thanksgiving, donc je vais avoir deux Thanksgiving cette année. Comment dire? Donc un jeudi avec Michel, les enfants, Christophe travaille, donc non. Donc Brian vient. Et un autre ce week-end. C'est un Thanksgiving après normalement la date. Donc un ce week-end avec donc les parents de Brian. Son frère il est dans le Wisconsin, donc ça sera juste ses parents, lui et moi. Donc voilà, mon premier Thanksgiving de Thanksgiving, ça va être cool. Sinon non, la famille, enfin j'ai pas d'autres trucs à ajouter. Les enfants, bah je vois que Julien grandit quand même beaucoup. Marie à l'école, ça se passe super bien. Donc voilà, non, enfin niveau famille, après j'ai rien d'autre à ajouter. Après 7 mois, je pense que c'est un peu toujours pareil. Donc voilà. Famille anglais. Anglais, bah je sais pas, j'ai l'impression de stagner. Après, avec Brian, ça se passe bien, donc enfin, on voit pas la barrière de la langue. J'ai vu ses parents, enfin, j'ai rencontré les parents de Brian, je sais plus, il y a 2 semaines de ça, quand enfin, j'étais dans le jardin. Et du coup, sa mère, elle m'a dit, oh, tu réponds vachement bien, enfin. Tu réponds super rapidement et tout ça, il n'y a pas. Enfin, t'es pas là à chercher tes mots et à dire merde, qu'est-ce que je vais dire et tout ça. Ça sort comme ça, je fais plus. Je fais pas de traduction française dans ma tête avant de répondre. Donc, c'est plutôt cool, hein. Donc, voilà, après, je sais, je suis pas bilingue, oh, je suis loin de l'être. Mais avec Brian, enfin, on n'a pas plus de barrières que ça avec la langue. Donc non, c'est cool, ça se passe bien, donc c'est parfait. L'anglais, ouais, sinon je stagne, mes cours, c'est super chiant. Moi, l'année prochaine, je prendrai pas ça comme cours, c'est clair et net. La prof qui nous apprend à faire un résumé. S'il te plaît, un résumé, j'ai appris ça au collège. Donc non, je finis souvent mes nuits en cours. Je dormais 1 heure la dernière fois. C'est ennuyant. Et je veux pas me enfin paraître prétentieuse ou quoi que ce soit, mais pour le niveau que je suis, enfin je trouve qu'il y a des personnes qui ont un niveau quand même beaucoup beaucoup plus faible que moi, sachant qu'il y a des niveaux inférieurs au mien. Enfin je vois pas pourquoi ils ont pas été mis dans les niveaux inférieurs. Donc bref, ça se finit bientôt le 17 décembre. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Puis même se lever tôt le matin, en plus là il commence à vraiment faire froid. Donc ouais, j'ai hâte, ça va être bien quand ça va être fini. Donc voilà, l'anglais, enfin je vois pas quoi d'autre à rajouter.
Je sais que maintenant, enfin, ce qui me manque, c'est. Enfin, ce qui me manque. Ce que j'ai, c'est le vocabulaire. Je pense que niveau temps. Enfin, il y a des temps, enfin, voilà, quoi, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas non plus, mais. Enfin, le passé, le présent et le futur, voilà, quoi. Donc, niveau, ouais, c'est vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. Donc, voilà. Sinon, sinon, sinon. Voyage. Donc, j'étais à Chicago. Ce week-end, on s'est pelé les miches d'une force. Ressenti moins 14 degrés. J'avais deux écharpes, des gants, un manteau, une veste, enfin un sous-pull, enfin un. Ouais, une sorte de sous-pull, enfin. On était dans. Ça s'appelle Urban Apartment Loft, un truc comme ça. C'est dans la banlieue de Chicago, mais c'est à 2-3 minutes du métro. C'est super bien, franchement, c'est nickel. On avait pris une chambre privée avec Pauline, donc deux lits, enfin superposés, parfait. Sauf qu'ils ont coupé le chauffage durant la nuit. Donc leur petite couette là, qui réchauffe que dalle, bah ouais, voilà quoi. Donc ben, le petit moins c'était ça, ils ont coupé le chauffage, j'ai pas compris pourquoi. Bref, sinon Chicago c'est cool. Enfin, franchement, c'est une belle ville. Ça ressemble à New York, mais beaucoup plus calme. C'est plein de buildings et tout ça. Mais on n'a vraiment pas profité parce qu'il faisait froid, quoi. Donc on est allé, on a marché tout ça samedi parce qu'on a pris l'avion samedi matin. Donc on a marché, on a un peu visité, mais enfin ça caillait à fond. On s'est réfugié dans Forever 21 parce que bah voilà quoi. Et sinon, ouais, tu profites pas parce qu'il fait froid. Tu vois les gens en après-ski, en combi-ski, tu dis ah ouais. Et c'est que le 23-24 novembre. Tu t'imagines même pas comment c'est l'hiver là-bas. Je veux pas savoir. Je sais pas comment les gens font pour survivre là-bas. Quoique maintenant, ça commence à cailler d'ici. Hein, c'est fou. Là, on a de la pluie. Mais c'est de la pluie qui va faire glacer cette nuit. Donc voilà. Sinon, non, c'était cool. On a fait quoi? On a fait plein de trucs. J'ai pas pris plus de photos que ça parce qu'il faisait tellement froid que je voulais même pas sortir mes doigts. Donc bref, Chicago, c'était cool. Le prochain voyage, je sais pas, ça va être quand. Parce que mes os ont projet de partir au ski pendant 3-4 jours. Je sais pas. Donc Christophe m'a proposé peut-être de venir et tout ça, mais je sais pas ce qui est moi. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Sinon, projet Miami Key West avec Brian, ça va se faire. Parce que voilà, on a envie tous les deux et que ça va être cool. Je pense que ça va être les plus belles vacances de ma vie pour l'instant. Donc voilà, ça sera donc après mes 21 ans parce que c'est un peu chiant avant. Même si je trouve des bars et tout ça pour consommer, j'ai l'impression quand même d'être encore un bébé, alors, de redevenir un bébé. Donc voilà, donc oui, projet, je sais que, enfin, Miami, Key West, je le ferai. Sinon, je sais pas trop. Mais en novembre, décembre, je pense que je vais rien faire. Enfin, là, je vais dans le New Jersey le week-end prochain, je pense qu'on va faire, on fera Atlantic City dans pas longtemps avec Brian. Et enfin, ses parents habitent. 40 minutes de Philly, 40 minutes de New York, donc on peut se faire genre New York pour une journée pour aller voir les décos Noël et tout ça, donc ça va être cool. Je sais pas quand on va se faire ça, mais on verra bien. Voyage, 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 voilà. Enfin, je pense que c'est bon. Je suis un peu malade à cause de Chicago, hein. Donc voilà. Voyage, famille, amis, 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 vie sociale. Bah, je vois presque tout le temps Brian. Enfin, ça se passe vraiment super, super bien. Je pensais pas tomber amoureuse ici, en fait. On est en relation depuis quoi, 2 mois et demi? Mais ça fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité parce qu'on se voit tout le temps et tout ça. J'ai rencontré ses parents assez rapidement, mais ça s'est super bien passé. Je sais que bah, quand mes parents sont venus, enfin, il les a rencontrés aussi. On est allé boire un verre ensemble.
parce que c'était la seule occasion pour qu'il le rencontre. Enfin, pour l'instant. Donc voilà, mais c'est vrai que ça se passe, ça, enfin, ouais, ça se passe vraiment super bien. On est sur la même longueur d'onde, on n'a pas. Enfin, il n'y a pas de barrière de langue. Non, c'est cool. Enfin, c'est. Je suis heureux, je suis happy, je suis épanouie, je suis. Voilà, je suis amoureuse. Enfin, donc voilà. Et c'est. C'est ouais, c'est cool. Et voilà. Et sinon, bah, je sais pas quoi raconter d'autre. Je sais que. Donc aux États-Unis, vendredi, on a le Black Friday. Donc c'est le jour après. C'est le vendredi après Thanksgiving. Bah moi je le ferai pas, je travaille, mais de toute façon j'ai plus de sous, donc c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai plus de sous, donc je ne le ferai pas. Vent et sœur, on va dans le New Jersey. Puis voilà, après, enfin les semaines, ça passe super vite. Je me dis, ça fait 7 mois que je suis là. J'ai pas vu le temps passer, je me suis dit, enfin. Je sais pas, c'est. Depuis que je suis avec Brian, c'est vrai que ça passe très 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 vite. Je vois pas le temps passer et je me dis ça fait 7 mois, ça fait plus fin. Ok. Donc voilà. Non, sinon, je vois pas quoi trop d'autre à rajouter. Si vous avez des trucs à me demander, enfin un truc comme ça, vous me dites dites. Mais c'est vrai que bah, enfin, je mets pas trop de photos et tout ça parce que c'est pas la routine, mais c'est vrai que c'est souvent. Enfin. Je vois Brian le week-end, le soir après le taf, je vois Brian. Enfin, ouais, voilà. Donc, je fais des trucs, mais c'est vrai que je pense pas prendre mon appareil photo. Là, je vais à Princeton, je vais prendre mon appareil photo quand même. On a été à la plage la dernière fois, enfin, c'était cool. Donc, sinon, bah ouais, donc voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Au bout de 7 mois, c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes choses qui se répètent. Donc désolé si c'est toujours la même chose que je répète à chaque fois, mais voilà quoi. Voilà. Sinon, ah si, j'ai des nouveaux tatouages. J'ai des nouveaux tatouages. J'en ai un. Moi, bah, j'en ai 10 maintenant. 10. Le truc, c'est pas cher ici, et puis c'est moi. Et puis non, bref. Donc, ouais, je me suis fait une flèche. Une flèche indienne au-dessus du genou, donc sur la jambe droite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, oui, j'ai mon triangle qui est là. J'ai mon trust. J'ai ma rose. Donc voilà. Enfin. Ça, c'est pour la petite parenthèse tatouage. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, bah. Moi, je vais aller réveiller mes loulous parce qu'ils vont pas dormir ce soir. Faut que je finisse à 10h. J'ai envie qu'ils dorment, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où vous êtes. Et puis je vous dis à dans moins d'un mois pour le prochain bilan, enfin 8 mois. Donc voilà, ciao ciao!